Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une autre vidéo sur Excel, donc ces graphiques dynamiques comme certains collègues déjà ont fait sur Excel. Donc voilà, donc ici la courbe change lorsqu'on passe la souris sur chacun des produits ici, ok, ou bien ici pour les années, pour cette courbe. Ici on va voir sur une autre vidéo, changement de la courbe lorsqu'on passe la souris sur une de ces courbes. Ok, on passe donc directement, mais je vais donc choisir ici cette base. Ctrl N, je vais donc déposer ici. Okay. Je vais donc supprimer ceci. Je reviens donc sur ceci. Donc la première des choses, donc on va créer donc ici l'article, on va poser le produit. Donc on va à développeur Visual Basic. Et sur un produit ici, sur on va insérer donc ici un module, et dans cet module on va faire une fonction public fonction qu'on va appeler par exemple sur vol 1. Je vois la parenthèse cellule orange, oui. Donc on va donc poser la cellule C18 par exemple ici. On va faire donc C18 point voilu égale cellule value, c'est-à-dire on va prendre la cellule, la valeur de la cellule. Je vais donc nommer cette cellule par exemple C18, C-8-18 entrée. Donc lorsque je fais ici C18, c'est celle-ci, et si donc je vais la renommer ici C18 c 18. Donc on va mettre un lien hypertexte ici, égal lien hypertexte du survol qu'on avait de la fonction survol 1, attendez, la fonction c'est survol 1. Égal lien texte sur vol 1, voilà, de ceci. Je ferme et je ferme. Je mets donc si erreur, il va me mettre ceci. Si erreur, point virgule, il va mettre ceci. Ok, et je vais donc descendre. Donc, C18 point value est égal à cellule, point value. Voilà donc, la cellule change à chaque fois. Reste donc à faire ici, égal recherche V de ceci dans ceci. C'est donc 2, 0. Donc voilà, je vais donc figer ceci. Attendez, je vais double-clic. Je vais figer ceci. 6, C4.
C'est 2, c'est-à-dire 2. 2, on va changer ce 2 par colonne de ceci. Je vais figer ceci. Voilà. Figer ceci. Voilà. Et je vais donc mettre une courbe. Voilà. Sélection. Modifier. Ceci. Lorsqu'on met donc le titre égal à ceci égal à 6,8. Voilà, voilà. Change à chaque fois. Ok, on va donc pour les années, si on veut pour les années. On va mettre donc une autre. C'est la même chose ici. Je vais donc mettre. On va mettre donc ici 2. Et cette fois-ci, c'est pas 6,18, c'est D2 par exemple. D2. Je vais donc mettre ici D2 et je vais la renommer D2. Donc ici, on va mettre D-8. Et ici, je vais mettre égal lien hypertexte sur vol 2 de ceci. Et je ferme. Je mets la même chose. Si erreur, point virgule, ceci. Et je vais donc tirer comme ça. Donc c'est D2, donc je vais mettre ici D2. Ok. Et ici, si, D2, et je mets entrée. Lorsque je passe, elle change donc. Et ici, je vais donc. Donc c'est, on va donc faire ici, je vais insérer un petit peu ici, égal 100, égal 106, 2, ou bien égal recherche, on va faire recherche, égal recherche H de ceci. Point virgule de ceci de 0. Je vais mettre donc ici 3. Voilà, pour 2014 c'est 828. Je vais figer ceci et je vais descendre donc ici c'est colonne. Ligne, pardon, ligne, parce que c'est les lignes, il y a ici trois lignes, voilà, parce que ça s'arrête ici, 2013 s'arrête à 803, voilà, c'est 100. Donc lorsque je mets ici, ça change, et lorsque je mets donc ceci, ça va donner quelque chose comme ça. Le graphique égal
à D3. D3. D4. Voilà donc. Je vais donc vider ceci. Et voilà donc lorsque je passe ici, il change. Et lorsque je passe ici, ça change. Ok. Voilà. Il change juste en passant la souris. Ici, il change juste pour faire passer la souris. Ok. À la prochaine.